Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. La rébellion séparatiste de la Casamance est née en décembre 1982 dans la région du sud du Sénégal, enclavée entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Des manifestants dénonçaient alors l'abandon par ceux qu'ils appellent les nordistes de Dakar. Dès lors, indépendantistes et forces de l'ordre s'affronteront sporadiquement pendant plus de trois décennies, au cours desquelles l'insécurité mine l'économie de la région et fait plusieurs dizaines de milliers de déplacés et réfugiés dans les pays voisins. Aujourd'hui, la situation semble enfin apaisée. Et sur le terrain, le statu quo prime. La Casamance est sans doute aujourd'hui pacifiée, mais cette région, éloignée de la capitale, se sent toujours délaissée. Élu en 2012, le président Macky Sall a fait de la paix dans la région une de ses priorités. En attendant que les négociations aboutissent, peut-être enfin, les habitants, eux, vont de l'avant. Les défis restent nombreux, personnes déplacées, terrain miné, économie en sommeil, mais le désenclavement est en cours et laisse présager des jours meilleurs pour la région la plus fertile du pays. Anciens combattants, paysans, journalistes, victimes du conflit, les habitants de la région nous racontent le passé et le futur de la Casamance. Sarah Sacco et Vincent Roux nous en disent plus. Ces forêts la séparent de la Guinée-Bissau au sud et de la Gambie au nord. On dit d'elle qu'elle est la région la plus fertile et la plus belle du pays. Pendant longtemps, la Casamance a aussi été la plus agitée. Kamogé Diata en sait quelque chose. D'ailleurs, quand il fait son marché à Ziguinchor, il apprécie l'anonymat dont il bénéficie. Voilà, ok. L'homme est un ancien chef rebelle du MFDC, le mouvement indépendantiste de la Casamance. Mais ça, c'était dans une autre vie. Bon, le marché est terminé. Maintenant, je vais direct ma tombe. En direction, Sankir. Voilà, merci. Tous les matins, Kamougué prend la route de Tobor, un village à la sortie de Ziguinchor. Il y surveille son chantier d'élevage de poules. La vie après le maquis n'a pas été facile, selon lui. J'ai demandé à une association suisse qui est dénommée Espérance en Casamance de me prêter un peu d'argent pour que je puisse m'investir et m'autogérer moi-même. L'ex-combattant s'est fait arrêter en Gambie en 2005. Remis aux autorités sénégalaises, il a été libéré quelques mois plus tard. Il n'a jamais eu envie de retourner dans le maquis. Je regrette. Je regrette parce que si durant ces 25 ans, j'étais allé me former quelque part, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça vraiment, c'est regrettable. C'est pas 25 ans, c'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est trop. Cette mémoire douloureuse, Kamougué a décidé de la coucher sur papier. Ça, c'est mon CV. C'est mon témoignage sur ce que je fais sur le conflit casamancé. Je voudrais vous faire part aujourd'hui de ma part de vérité dans ce conflit casamancé. Pour lui, comme pour beaucoup de jeunes à l'époque, tout commence après une violente descente de gendarmes à son domicile. Un événement qui l'a poussé à prendre le maquis. À l'époque, les Casamançais étaient vraiment, vraiment meurtris, ignorés, comme s'ils n'étaient pas des Sénégalais à part entière. Et jusqu'à nos jours, ça se voit, et ça, c'est pas tellement bon. Abdou, son cousin, est de 15 ans, son cadet. Eux, ils ont certainement vécu un moment que nous n'avons pas vécu. Peut-être que nous avons trouvé le train sur les rails. Vous voyez, donc c'est pour cela que je ne peux pas avoir les mêmes sentiments que lui. Voilà. Vous vous sentez pleinement sénégalais? Je me sens pleinement sénégalais. Ouais, je me sens pleinement sénégalais. L'eau du fleuve Casamance a beaucoup coulé sous les ponts.
et la cause indépendantiste du MFDC ne mobilise plus. Après plus de 3 décennies de conflits larvés, la région semble enfin souffler. Aucun incident majeur n'a eu lieu ces dernières années. Pourtant, la rébellion n'a pas rendu les armes. Des éléments du MFDC restent présents aux frontières avec la Gambie au nord et la Guinée-Bissau au sud. Avec l'enlisement de la guérilla, le mouvement apparaît affaibli et divisé. Il existe au moins 4 factions distinctes, pour certaines rivales. Combien sont-ils ? Quelques centaines d'hommes tout au plus, selon les experts. L'une des factions a accepté de nous rencontrer. Il nous a fallu plusieurs heures de trajet en brousse pour atteindre ce lieu. Je suis né en 1955. J'ai pris le maquis à partir de 1983. Presque toute ma vie, et jusqu'à l'heure où nous sommes, je ne suis même pas marié. Parce que je l'ai juré à mon peuple que je me marierai lorsque j'aurai fini ma mission. Et ma mission, c'est quoi? C'est de libérer mon peuple. Salif Sadio est une figure du maquis casamançais. Il tient le front nord, quelque part à la frontière avec la Gambie. Son discours n'a pas changé depuis 1983. Tant que je serai vivant, bien portant, même s'il me reste seulement 4 combattants plus moi, 5, ensemble avec nos armes et nos animaux, nous libérerons la Casamance. Car si tous les peuples ont droit à la liberté, je ne pense pas que la Casamance, le peuple casamancé, puisse faire une exception. C'est de l'injustice. Salif Sadio a longtemps été considéré comme le plus irrédentiste des rebelles. Depuis 2012, il a toutefois entamé un dialogue avec l'État, une première. Des rencontres ont eu lieu en Italie, sous médiation internationale, mais sans parvenir à un accord. D'après lui, les échanges se poursuivent. Toujours ouvert au dialogue, sinon il n'y aurait pas ça. Nous n'aurions pas accepté de nous rendre à Rome pour tenter de régler les choses par la voie pacifique. Sinon, on aurait seulement fait usage aux armes. Les maquisards rentreront-ils un jour dans leur village? Malgré l'accalmie, ce « ni paix ni guerre », comme l'appellent les casamançais, semble rester un sujet sensible. Ni l'armée, ni le gouvernement n'ont donné suite à nos demandes d'interview. Pour en savoir plus, nous avons rencontré ce spécialiste du conflit. Bonjour et bienvenue au Carrefour de la Paix, votre émission que vous avez tous les dimanches sur Zig FM, la 100.8. Au micro, Ibrahima Gassama, journaliste d'investigation. Il dirige l'une des principales stations privées de Ziguinchor, Zig FM. Je m'excuse, j'étais au studio. En 2007, c'est lui qui a réalisé la toute première interview dans le maquis de Salif Sadio. À l'époque, le sujet est complètement tabou. On m'accusait d'atteinte à la sûreté de l'État. Le procès a eu lieu quelques jours après à Dakar. Le tribunal a prononcé le non-lieu. Ibrahima suit désormais plus sereinement le dossier. Et d'après lui, la situation actuelle pourrait s'éterniser. C'est un dialogue de sourds et je crois que c'est ce qui retarde les négociations. Parce que qu'est-ce qu'on va négocier? De quoi va-t-on discuter? Le MFDC dit l'indépendance ou rien. L'État dit tout sauf l'indépendance. L'accalmie arrange l'État parce que les populations ne sont pas trop inquiétées. Donc tout le monde semble se contenter de cette situation. Mais je pense qu'il n'y a pas que ces deux parties. Il y a aussi ceux qui vivent de ce conflit-là et qu'un auteur avait qualifié d'entrepreneur de la paix, qui ne souhaiterait pas qu'une paix véritable qui serait synonyme de pauvreté pour eux s'installe en Casamance. Donc autant de choses qui font que cette situation arrange tout le monde. Les populations, quant à elles, veulent sans aucun doute aller de l'avant. Mais les stigmates laissés par le conflit sont profonds. Dans le village de Kailou, à 15 kilomètres de Ziguinchor, le moindre faux pas peut même s'avérer fatal. Il s'appelait Laurent Sagna, c'était en février 2004. Donc vous voulez dire c'est là qu'il a sauté sur la mine? C'est là qu'il a sauté sur la mine. Et il a été mort sur le champ.
Sarani appartient à une association qui sensibilise au danger des mines. Selon le Centre national d'action anti-mines, le déminage dans la région n'est effectif qu'à 50%. Ces mottes de terre, derrière les herbes sèches, étaient destinées à être nettoyées par les démineurs. Mais leur travail s'est arrêté subitement. Les démineurs sont venus jusqu'à là et c'est là où les combattants les ont capturés. Et le déminage s'est arrêté jusqu'à nos jours. Et personne n'est plus revenu. C'était le 3 mai 2013 qu'ils ont été pris et été libérés le 28 mai 2013. Nous, on ne sait plus ce que faire pour que tout ça soit déminé. Mais il existe encore des localités qui n'ont pas été nettoyées et pour manque de financement ou bien pour un veto du MFDC, malheureusement. Ils ont vérifié, ils ont tout... Si Sarani ne ménage pas ses efforts, c'est qu'il a lui-même été victime d'une mine à 12 ans. Je suis passé dans la cour de l'école où il y avait une piste serrée sur laquelle j'avais couru, juste je suis tombé sur la mine. Et du coup, on m'a amené à l'hôpital et après j'ai bénéficié d'une prothèse qui me permet aujourd'hui de pouvoir vaquer à mes préoccupations tranquillement. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de s'activer, comme on le dit, pour au moins que le malheur qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Et c'est dans cet intérêt que nous menons des activités aujourd'hui, d'éducation au risque des mines, pour ne pas qu'il y ait encore d'autres accidents par mine. Cet enfant, où il va? Il va en brousse. Il voit une mine, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'arrêter, rester calme, on regarde à gauche, à droite et derrière. Nous retrouvons Sarani, cette fois en banlieue de Ziguinchor. Il rend visite à Narcisse, qui a fui son village avec sa famille en 1991. Ils n'ont jamais pu y retourner à cause de la présence de mines. Ils font partie des quelques 50 000 déplacés internes du conflit. Ça va. Donc on est venu te rencontrer en tant que chef de village. Voilà. Chef de village sans village. Oui, sans village. Donc vous vous êtes retrouvé en milieu urbain. Et mon problème ici, c'est je sais qu'il n'y a pas de terre. Je suis sur un terrain qui mesure 15 sur 20. Hein? Donc ce qui veut dire que je ne peux rien, je ne peux mener aucune activité ici. Hein? Donc du coup, on est obligé de faire certains travaux que moi je n'ai jamais connus. Parce que moi, ma profession, c'est cultivateur. Donc aujourd'hui, je fais le gardiennage pour subvenir aux besoins de ma famille. Une autre grande victime de la crise est l'économie. Le conflit a paralysé l'agriculture et le tourisme, les principales ressources. Alors, depuis quelques années, l'État mise sur le désenclavement de la zone. Deux bateaux supplémentaires sont venus renforcer la liaison Dakar-Ziguinchor. Et le fameux pont au-dessus du fleuve Gambie devrait enfin voir le jour d'ici 2019. Autre espoir pour les opérateurs économiques. Depuis octobre 2016, la Casamance n'est plus classée zone à risque par la France. Au Cap Skering, la station balnéaire à 70 km de Ziguinchor, les grandes enseignes espèrent désormais attirer plus de touristes européens. Le désenclavement vise aussi à exporter plus facilement les produits vivriers. Comment ça se passe? C'est ce qu'espère bien Ami Mané. Vous avez déjà démarré le travail? Cette dynamique sexagénaire, mère de 9 enfants, œuvre depuis plus de 2 décennies dans la filière. Elle encadre des groupements de femmes, plus de 9000 au total, qui transforment des produits locaux. Nous sommes en pleine saison de l'anacarde, la noix de cajou. Oui, ramassez les noix qui sont tombées. Faut pas les laisser parce que c'est de l'or. C'est l'or casamanceuse. Avec l'appui de l'organisation, les femmes collectent, transforment et vendent la noix sur le marché local. Dernièrement, Ami Mané se prend même à rêver d'exporter dans la sous-région. Nous pensons que les choses décollent. Même s'il y a l'enclavement qui est là, si l'État y met tout ce qu'il faut pour que la Casamance se développe, nous serons développés. Au siège de leur association, où elles décortiquent les noix, leur travail est toujours aussi harassant, mais leur cœur plus léger. Oh.
ces femmes savent d'où elles reviennent. Il y a quelques années, transformer la noix était un défi à cause des braquages que les populations attribuaient alors aux groupes rebelles. Pour arriver là, arriver à ce que nous sommes arrivés, c'était la solidarité. Les femmes avaient difficilement l'accès à la production. Donc, quand elles prenaient le financement avec les exactions, on leur prenait tout. Ou alors elles perdaient leurs marchandises. Ça, on va bientôt l'oublier, ça restera dans les histoires et on va raconter des contes à nos petits-enfants. C'est sûr. Je pense que oui. Ce conflit, vieux de 35 ans, sera-t-il bientôt oublié des nouvelles générations? La chute du dictateur gambien, Yahya Jammeh, soutien de la rébellion, changera-t-elle la donne? Banjul affiche en tout cas sa volonté de renforcer le contrôle aux frontières et de coopérer pour mettre fin au trafic, à commencer par celui du bois, qui ont pullulé en marge du conflit. Peut-être l'émergence d'une nouvelle ère pour la Casamance. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. C'est la saison la plus redoutée par les humanitaires dans le bassin du lac Tchad, où se déroule la plus grave crise de réfugiés sur le continent africain. Des réfugiés fuyant les exactions de la secte djihadiste Boko Haram et confrontés à des besoins alimentaires cruciaux. Ils font face à une période de soudure entre deux récoltes. Avec moins de denrées disponibles et des stocks épuisés, une saison de la faim qui provoque tension et même violence dans le camp de réfugiés de Minawao, dans l'extrême nord du Cameroun, où des Nigérians affamés envisagent de retourner dans leur pays, quitte à y risquer leur vie menacée par la secte djihadiste. C'est un reportage de Patrick Fandio et Pierre Acapro et Zigoto Tchaya. Derrière la barrière, l'air de la colère. No food, pas de nourriture. Le cri de détresse de dizaines de femmes et d'enfants, tous réfugiés nigérians dans ce camp de l'extrême nord du Cameroun. Devant ce site du Programme alimentaire mondial, des visages fermés en cette matinée de distribution des rations mensuelles. Des camions de vivres attendu ici depuis plusieurs jours. Les gens que vous voyez ici, maintenant, ils ne réclament rien d'autre que de la nourriture. Cet homme vient de nous expliquer que les distributions de vivres, c'est à peine 8 kilos par personne. Mais avec si peu, comment tenir du 1er au 30 ou 31 du mois? Parfois, c'est même 40 jours. Nourrir leur famille, l'obsession des réfugiés nigérians ayant fui Boko Haram en cette période baptisée « saison de la faim ». Car ici, malgré le paysage verdoyant, pas encore de récolte. Et des stocks de vivres déjà épuisés pour des réfugiés comptant plus que jamais sur l'aide alimentaire internationale. Sur le site du PAM, opération contre la montre pour nourrir les 60 000 habitants du camp. Diminuée à 75% ces derniers mois, faute d'argent des donateurs, la ration type est repassée à 100% pour affronter cette saison de la faim. Mais pour Gustave, coordinateur de la distribution, ce n'est toujours pas assez aux yeux des réfugiés. Pour certains, c'est la seule source nutritionnelle pour eux. Ils attendent rien que cette occasion-là pour avoir, n'est-ce pas, de vivre dans leur ménage. Ils viennent, ils demandent toujours plus, mais on s'en tient, n'est-ce pas, à ce qu'on nous donne pour leur donner au kilogramme, au nombre de calories qui nous a été alloué pour les restituer. 2100 calories par jour et par personne, le minimum vital pour chacun.
Mais les quantités, en passe d'être distribuées, sont inférieures aux chiffres annoncés deux jours plus tôt aux réfugiés. D'où les protestations d'Awa, une veuve dont le mari a été tué par les miliciens Boko Haram, lui laissant 5 enfants à nourrir. Expulsée du site, elle est parmi les premiers à l'envahir quelques minutes plus tard. Avec des milliers d'autres réfugiés, fatigués d'attendre leur ration de vivre. Des femmes en nombre, se tenant le ventre pour montrer qu'elles sont ténaillées par la faim. Sur le site, des leaders communautaires comme Christopher, débordés, mais pas surpris par cette révolte. Voilà déjà plusieurs mois que la faim pousse de nombreux réfugiés à vouloir retourner au Nigeria, quitte à risquer y mourir par la terreur de Boko Haram. Ils préfèrent rentrer au Nigeria plutôt que de rester ici et avoir faim. Beaucoup disent qu'ils préfèrent être tués par les balles de Boko Haram et avoir une mort rapide plutôt que de dépérir ici à petit feu. À ses côtés, Moussa, lui, a déjà presque pris sa décision. Je suis en train de réfléchir à retourner dans mon pays. Parce que mourir pour mourir, je préfère que ce soit dans mon pays plutôt que dans un pays étranger. Plus de 10 000 réfugiés auraient ainsi choisi de retourner au Nigeria ces derniers mois, même si beaucoup en sont revenus depuis, pour retrouver un camp où la situation dégénère ce jour-là. Des véhicules du Programme alimentaire mondial sont attaqués par une foule de réfugiés en colère, chauffés à blanc par la rumeur de la baisse de leur ration mensuelle. Le PAM, victime de la chute de ses financements internationaux. Listen to me, please. Please. Comme tente de l'expliquer à ses réfugiés, son représentant sur le terrain. À chaque fois qu'il y a une diminution des ressources, ça va toucher les réfugiés. Mais on n'y peut rien parce qu'on est obligé de s'ajuster en fonction des ressources que nous recevons. La saison de la faim, une période à haut risque pour les humanitaires, dans l'attente des prochaines récoltes. En Centrafrique, les Nations Unies alertent sur un risque de génocide alors que les trois quarts du pays sont occupés par des milices armées et que les massacres de civils ont repris de plus belle, replongeant le pays dans le chaos. On vient de voir des milliers de réfugiés et de déplacés fuient à nouveau leur domicile et dans cette fuite, des familles sont parfois séparées. Des drames qui concernent des milliers de Centrafricains, des foyers que le Comité international de la Croix-Rouge et ses sections dans la région tentent donc de réunifier. Des réunifications difficiles et assez rares qu'une de nos équipes a pu suivre dans l'est du Cameroun, qui abrite plus de 260 000 réfugiés venus de Centrafrique dans des camps. Reportage de nos correspondants Patrick Fandio, Pierre Akpro et Zikoto Tchaya. Des visages sans nom, ni prénom. Des photos rattachées à un simple numéro. Comme des portraits anonymes d'enfants de la guerre centrafricaine. Des enfants sans plus aucune nouvelle de leurs parents. Séparés d'eux en fuyant milices et combats. Un exil douloureux pour ces familles brisées, souvent dispersées dans différents pays voisins, comme ici, dans l'est du Cameroun. Des réfugiés, aujourd'hui à la recherche de ces enfants perdus de Centrafrique. À la frontière centrafricaine, le camp de Gado, 25 000 réfugiés en territoire camerounais. Sur le site, un lieu très fréquenté, le bureau de la Croix-Rouge, chargé de retrouver les enfants signalés disparus que les parents viennent identifier. Chaque matin, Yaya est venu scruter ce trombinoscope. Et il y a quelques heures, il a reconnu sa fille, perdue de vue depuis 4 ans.
Je pensais que ma fille était déjà morte. Je n'avais plus espoir de la retrouver un jour. Mais comme le bureau des réunifications des familles était installé ici, je suis venu quand même écrire pour demander si mon enfant vivait encore ou pas. Et par chance, hier, quand on a affiché les photos, j'ai vu que ma fille était là. C'est ça qui m'a prouvé qu'elle était encore en vie. Pour moi, c'est la fin de 4 longues années d'attente. Yaya, un père désormais soulagé, mais des milliers d'autres familles encore en attente d'une bonne nouvelle. À 700 km du camp, Yaoundé, la capitale du Cameroun, au siège de la Croix-Rouge. Super. Lucienne fait partie de la cellule chargée de réunifier ses familles de Centrafrique, dispersées par la guerre. Ce matin, direction l'aéroport de Yaoundé, pour accueillir des enfants centrafricains retrouvés au Tchad, après de longues et complexes enquêtes et recherches dans les camps de réfugiés de la région. C'est vraiment fastidieux, ça prend des mois, parfois des années, surtout quand on n'a pas l'adresse exacte ou bien si la personne était à un tel endroit, mais que par la suite elle s'est déplacée pour aller dans un autre endroit, mais qu'on n'a pas pu, on ne sait pas exactement où elle est partie. Arrivée au Cameroun après un périple de plusieurs jours à travers le Tchad et tout juste débarquée d'un vol spécial, 5 adolescents centrafricains âgés de 12 à 17 ans. Accueillis par Lucienne, deux jeunes réfugiés séparés de leurs parents depuis plusieurs années, comme Issa. On est à Yaoundé, on est content parce que ça fait 4 ans maintenant, on n'a pas vu notre famille. Ça nous ferait vraiment très mal. Après 4 années passées sous les tentes, la première nuit dans une chambre d'hôtel pour le jeune homme. De quoi faire remonter le souvenir des camps de réfugiés. Au camp, c'est différent parce que là-bas, on souffre. Je n'ai pas même de lit comme ça. Là-bas, on fabrique juste une lit avec des petits bois, mettre seulement les nattes et puis c'est tout. À l'aube, le jour J, celui de la rencontre prévue avec les parents dans quelques heures. La 11e réunification familiale de l'année, organisée par la Croix-Rouge, après une trentaine en 2016. En cours de route, les anti-Balaka nous ont stoppés. Nous avons été gardés pendant des jours. La première nuit, ils ont mis les femmes et les enfants d'un côté. Ils ont séparé les hommes du reste du groupe et ils sont allés les tuer. Ça nous a beaucoup marqués. Mais aujourd'hui, nous allons retrouver notre mère. Et ma joie a plus de goût encore que le miel. Après 8 heures de route, voici qu'un refusé de Gado. Des familles enfin réunies. La joie des retrouvailles, puis très vite, les larmes des familles qui avaient déjà fait le deuil de leurs enfants. Jésus compte pas. Une intense émotion, jusqu'à l'évanouissement, pour quelques-uns. Un jour de délivrance pour certaines familles qui ont retrouvé les leurs, mais un jour d'attente de plus pour des centaines d'autres. 179 enfants centrafricains recensés recherchent encore leurs parents dans l'est du Cameroun et sans doute beaucoup plus dans tous les pays voisins. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques minutes. Retour sur le plateau de Code 24. L'Allemagne compte parmi les pays qui ont le plus profité des travailleurs détachés et a fait l'objet de nombreuses critiques.
Les dérives du système ont été particulièrement dénoncées dans le secteur de la viande en Basse-Saxe. Une région où quelque 40 000 personnes originaires de Pologne, de Roumanie ou des pays baltes travaillent dans les abattoirs. Secouée par de nombreux scandales et accusée de dumping social, l'Allemagne cherche donc depuis 2 ans à modifier les méthodes du secteur. Un salaire minimum a notamment été introduit, ce qui a rendu le travail détaché moins attractif. Mais ces ouvriers continuent d'être recrutés par des sous-traitants qui emploient des méthodes douteuses et profitent de leur vulnérabilité. Anne Maillet nous en dit plus. Derrière les murs de cet abattoir en Basse-Saxe, c'est bientôt l'heure du changement d'équipe. Un moment propice pour approcher ces ouvriers de l'ombre. Piotr et Raluca sont travailleurs sociaux. Ils vont régulièrement à leur rencontre pour les informer sur leurs droits. Voici notre brochure en roumain. Elle contient tout ce qu'un travailleur doit savoir lorsqu'il travaille dans l'industrie de la viande. La plupart des gens ne parlent pas l'allemand, donc nous avons préparé pour eux des brochures dans plusieurs langues. Je dois y aller parce qu'ils vont bientôt sortir et je ne veux pas les rater. Nous ne sommes pas autorisés à les accompagner sur le parking de cette grande entreprise. Leurs échanges sont courts, les ouvriers pressés de rentrer chez eux. Ceux qui les emploient leur font toujours bien comprendre qu'il vaut mieux se tenir tranquille et accepter les conditions de travail pour ne pas avoir de problème. Mais leurs conditions de travail sont misérables et le problème, il est là. Leur rémunération n'est pas bonne et les ouvriers s'en rendent bien compte, mais c'est difficile pour eux de se défendre. Brochure en main, ces ouvriers ont désormais un contact en cas de conflit. Et dans la région, ils sont nombreux. Depuis des années, les conditions de travail dans les abattoirs allemands sont dénoncées par les syndicats. 40 000 travailleurs d'Europe de l'Est y sont employés. La majorité d'entre eux sont recrutés par des sous-traitants étrangers ou allemands. Nous retrouvons Piotr dans son bureau. Ici, les ouvriers peuvent s'ouvrir en toute confiance. Ce jour-là, il reçoit Yaroslav, un travailleur polonais qui souhaite rester anonyme. Il ne veut pas être reconnu par son patron, un patron qui refuse de lui payer son congé maladie. Au mois de juillet, j'ai été malade pour la première fois en 4 ans. Mais sur ma fiche de paye, il manquait ces jours de maladie que mon patron doit pourtant me payer. Ce n'est pas normal. Tout cet argent qu'ils doivent à leurs employés mais qu'ils refusent de payer, c'est autant de bénéfices pour ces entreprises sous-traitantes. Quand on emploie 100, 200, parfois même 300 personnes et que sur chaque fiche de paye il manque des heures ou des jours de travail, ça fait une belle somme et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Une main-d'œuvre bon marché est souvent abusée. Mais à l'autre bout de la chaîne, les profits sont immenses. En 2016, l'Allemagne a produit plus de 8 millions de tonnes de viande. Acculé par les scandales, le secteur a introduit un salaire minimum il y a 3 ans. Une vingtaine d'entreprises ont même renoncé à faire appel aux travailleurs détachés. Selon le porte-parole des producteurs, entre 60 et 70% des ouvriers sont désormais logés à la même enseigne que les Allemands. Ils sont recrutés selon le droit allemand par des sous-traitants qui sont domiciliés ici en Allemagne et qui travaillent dans les abattoirs. Leurs employés profitent du droit allemand. Ils sont assurés ici en Allemagne. Ils paient leur sécurité sociale, leur retraite et toutes leurs cotisations ici en Allemagne, comme n'importe quel ouvrier allemand. Et pourtant, dans la région, les abus persistent. Laura et son compagnon ont quitté la Lituanie pour venir travailler en Allemagne. Elle a été licenciée au bout de quelques mois sans justification et s'est tournée vers ce conseiller municipal pour obtenir de l'aide. Aujourd'hui, c'est le compagnon de Laura qui assure seul les revenus de la famille. Des abattoirs allemands, Laura garde un souvenir amer. J'ai quitté mon pays car la situation économique là-bas était mauvaise. Mais je ne m'attendais pas à ce que la situation ici soit aussi grave. C'est catastrophique, parce que beaucoup de gens qui travaillent dans cette industrie ne connaissent pas du tout leurs droits. Mon impression, c'est que l'industrie fait tourner ses ouvriers à la manière de produits jetables. Ils font ça pour profiter des aides de l'État, ou encore pour se débarrasser des travailleurs qui essayent de faire valoir leurs droits et qui ainsi deviennent gênants. En quelque sorte, ils veulent que leur personnel soit maintenu dans l'ignorance.
Aujourd'hui, l'Allemagne soutient la réforme du travail détaché et le Parlement allemand a voté en juin une loi qui rend responsables les entreprises des dérives de leurs sous-traitants. Ils avaient à leur actif le trafic de drogue, d'armes, les enlèvements, mais le filon auquel s'intéressent de plus en plus les cartels mexicains, eh bien, c'est le siphonnage d'oléoducs. Dans l'état de Puebla, ils soudoient jusqu'aux plus modestes agriculteurs pour avoir la main-d'œuvre nécessaire aux opérations. Eh bien, repérage, perforation, surveillance, collecte. Avec l'augmentation soudaine du prix de l'essence en début d'année, le secteur est devenu très lucratif. 200 prises clandestines avaient été enregistrées au cours de l'année 2012, plus de 2600 en 2017, faisant perdre à Pemex, la compagnie pétrolière mexicaine, près de 2,4 milliards de dollars depuis 2010. Reportage à Puebla, où les autorités tentent de juguler le phénomène. Laurence Cuvillier, Mathieu Comin. Il est midi. Dans ce marché de grossistes près de Puebla, le trafic est à son comble. Nous filmons discrètement une activité illégale à ciel ouvert. Tous ces gens qui portent des bidons sont des revendeurs d'essence volée, des huachicoleros, comme on les appelle ici. Ils la vendent quelques pesos moins cher que dans les stations-service et s'attirent ainsi des milliers de clients. À combien tu vends le bidon de huachicol ? Dis-moi, mais pourquoi tu filmes ? Non, je filme pas. Nous sommes vite repérés. Les huachicoleros sont dans le collimateur des autorités. L'ambiance est tendue dans la région. Armée, police, sécurité privée de la compagnie pétrolière. Un effort conjoint pour tenter de limiter les pertes, car elles sont énormes. Ici, il doit y avoir à peu près 800 litres d'essence. Évidemment, ça, c'est un véhicule volé. Ce policier tient à conserver ses lunettes noires et réserver son identité. Comme la plupart de ses collègues, il est menacé par les huachicoleros. Et ici, on en a quatre. Dans chacun de ces conteneurs, l'équivalent de 1000 dollars d'essence. Des camionnettes chargées comme celle-là, la police en saisit entre 20 et 30 chaque jour, rien que dans l'état de Puebla. Les voleurs d'essence ont commencé à utiliser femmes et enfants comme boucliers humains. Ils les déploient à proximité des prises clandestines pour gêner nos opérations de police. En fait, on se retrouve à être plus confrontés à la population locale qu'aux délinquants. Surveiller les oléoducs, une tâche gigantesque dans un pays où il y a 40 000 km de tuyaux. Ici, c'est un secteur où ils viennent souvent pomper l'oléoduc. Tiens, arrête le véhicule, on va aller voir. Regardez, ça, c'est une prise clandestine qui a été rebouchée. Ça forme une grande tache qui rend la terre stérile. Ici, la végétation ne repoussera pas. Un peu plus loin, les policiers font une trouvaille. De la terre fraîchement remuée, une flaque, c'est un siphonnage récent, la nuit dernière sans doute. Je pense que ça, c'est le travail d'un groupe d'au moins 7 ou 8 personnes. Parce qu'il y a ceux qui percent la canalisation, ceux qui pompent et chargent le combustible. Et puis il y a les guetteurs qui doivent lancer l'alerte rapidement si un convoi militaire ou si la police approche, afin que tous aient le temps de déguerpir. Puebla, c'est l'autoroute des carburants, acheminée depuis le golfe du Mexique vers la capitale. Alors c'est une lutte féroce entre les huachicoleros et les forces de l'ordre. La région est passée au peigne fin dans ce centre de contrôle. Il arrive que des carburants volés viennent alimenter les cuves de stations-service bien établies. On s'en rend compte quand on voit qu'un établissement achète moins d'essence à la compagnie pétrolière, mais que son chiffre d'affaires est plus élevé. C'est ce qui éveille nos soupçons. D'après une étude de la compagnie Pemex, l'immense majorité du carburant volé termine entre les mains de grandes entreprises ou de stations essence. Le stock écoulé par les vendeurs à la sauvette n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et le réseau de complicité est tentaculaire. Nous avons déjà arrêté 5 policiers municipaux, un maire et 2 policiers du district fédéral de Mexico pour des faits de collusion avec des trafiquants de carburant.
de la zona metropolitana. Cet homme est le seul maire de la région qui ose aborder le thème. Conséquence, plus un pas hors de sa mairie sans garde du corps. La plupart de ses collègues sont payés pour fermer les yeux sur les activités des trafiquants. D'après lui, au moins 8 groupes rivaux opèrent dans son village de Tochtepec. Je peux te dire que tous les gens du village ont été complices d'une manière ou d'une autre, parce que ce carburant se vend 7 ou 8 pesos, alors qu'à la station-service, c'est plus du double. Dans cette région agricole où les salaires sont très bas, vendre de l'essence volée est une activité facile et lucrative. Mais les habitants n'en parlent que du bout des lèvres, car les opérations anti-vol de combustible sont nombreuses. Maintenant, le huachicol coûte plus cher. Les revendeurs en veulent 240 ou 250 pesos par bidon. C'est devenu plus difficile d'en trouver. Marcos le sait. Il est en danger de mort pour avoir refusé de coopérer avec les huachicoleros. Je recevais des appels. Ils m'ordonnaient de faire profil bas et de les laisser travailler. Sinon, ils allaient me tuer. Il a porté plainte auprès des autorités fédérales, sans résultat. Comme le vol de combustible n'est pas un délit grave aux yeux de la loi, les criminels savent que s'ils se font pincer, ils paient la caution et voilà, ils sont libres. Je suis très inquiet, je vous le dis. Je suis dépassé par le crime organisé. La compagnie pétrolière Pemex a rejeté nos demandes d'interview. Sur un marché du carburant qui pèse 38 milliards de dollars par an au Mexique, les enjeux sont énormes. Alors que les drogues douces sont en voie de légalisation sur le continent, le vol de carburant est considéré comme l'avenir du crime organisé. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Retour sur le plateau de Côte 24. La tannerie Gall est connue pour son cuir travaillé à l'ancienne, qu'on appelle cuir végétal. Dirigée d'une main de maître par Nathalie Gall, la tannerie fournit notamment les celliers les plus prestigieux, comme le cellier de Pompadour. Emmanuel Huguet, installé avec son épouse Isabella au cœur du Hara. Itinéraire d'un matériau noble, travaillé par des artisans au savoir-faire ancestral. Reportage. Une odeur et un toucher unis, un savoir-faire ancestral. En Haute-Vienne, le travail du cuir est issu d'une longue tradition. Lovée le long de la rivière Vincou, l'entreprise Gall est la seule survivante d'un passé glorieux. Sa patronne, Nathalie Gall, est une femme de conviction. Comédienne il y a encore 3 ans, cette chef d'entreprise a repris le flambeau de son père. La tannerie Gall est la dernière en France à maîtriser encore le cuir de vache. Tannée en fosse à l'écorce de chêne, les peaux baignent dans ce jus végétal pendant plusieurs mois. Une réaction biochimique se produit qui rend la peau imputrescible dans l'ajout du fameux chrome utilisé par les tanneries classiques. La transformation chimique va se faire très très lentement. On pourrait dire que c'est un peu comme quand on fait du vin, c'est les tanins du chêne, les mêmes que le vieillissement du whisky ou du vin en fût de chêne. Et quelque part, on va donner de la rondeur au cuir de la même manière qu'on va donner de la rondeur au vin. À côté, plusieurs cuves exposent leurs entrailles. C'est une concoction secrète qui permet de fabriquer des cuirs orthopédiques, hypoallergéniques. Ceux-là même qui ont fait la réputation de l'entreprise. Quelques mois plus tard, une fois essorées et triées en fonction de leur beauté, les peaux sont tannées avec une graisse spéciale pour obtenir la matière, la souplesse et la teinte de base voulue. Je crois que le plus grand secret, c'est le savoir-faire des hommes. On parle aussi de l'eau de la rivière Vincou,
qui a des qualités assez exceptionnelles, hein, l'eau qui coule à Bellac avec lequel on fait nos produits, voilà. Mais il y a quand même des vrais secrets de fabrication que je ne vous dirai pas pour autant. Ces cuirs épais ont rendu la tannerie célèbre pour ses étrivières, des courroies très solides qui relient la selle du cheval aux étriers. Et là, les salariés ne lésinent pas. Il faut que ça résiste au moins, même un peu plus, il faut qu'on essaie jusqu'à 100 kilos, il faut pas qu'il casse. On a nos mesures et on sait que si ça passe ce test-là, on n'aura pas de retour client, on n'aura pas de problème, quoi. Rustique, mais efficace. Là, on est à 80 kilos. Donc a priori, celle-là, elle a un problème. Donc après, il faut expertiser, analyser, comprendre pourquoi ça, c'est un problème. Les harnachements fabriqués avec ce cuir ont la réputation d'être la Rolls de la selle. Aujourd'hui, Emmanuel Huguet, sellier de Pompadour en Corrèze, vient choisir des cuirs d'exception pour la fabrication d'une nouvelle selle. J'aime bien quand ils sont un entre-deux, ni trop souples, ni trop durs. Une fois sélectionnés par Emmanuel, ces peaux sont ramenées à Pompadour, cité des chevaux et haras national. C'est ici qu'Emmanuel a choisi de s'installer comme sellier, il y a 4 ans. Là, je regarde que le siège soit bien tendu, bien symétrique, parce que j'ai effectué les mêmes gestes de chaque côté. Pour ne pas avoir de déformation au niveau du siège, il faut acquérir le geste. Et ça s'acquiert avec le temps, l'expérience et la persévérance, on va dire. Son épouse, Isabelle, travaille à ses côtés. Petite fille de bourrelier suédois, elle maîtrise parfaitement les gestes du métier. J'ai toujours aimé les chevaux, je fais beaucoup d'équitation. Je pense que nous, on a vraiment eu de la chance de faire un métier qu'on aime. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de ce qu'on aime faire. Toutes les parties du siège sont cousues main. Seuls les quartiers de la selle sont assemblés à la machine. Des selles fabriquées le plus souvent sur mesure, aux couleurs du client, et adapté à la largeur du dos du cheval et au bassin du cavalier, au millimètre près. Prix de vente en moyenne, 4 000 euros. Je vérifie que les quartiers soient bien positionnés, que la symétrie soit bonne. Donc là, c'est bon. Au sel, dure combien de temps? Ça dépend beaucoup de l'entretien. Alors, il y a des gens qui entretiennent très bien leur sel, ça peut durer à vie. Par contre, il y a beaucoup de gens qui utilisent peut-être pas de produits adaptés pour nettoyer ou qui graissent trop. Ça suffit de graisser une selle deux fois par an. Chaque selle, on va dire que c'est un challenge. C'est une satisfaction parce que c'est nos mains, tout simplement, qui ont travaillé. C'est une œuvre d'art au final. Chaque selle a sa petite histoire, on va dire. Une œuvre d'art qui exhale un parfum de cuir rassurant. Un objet unique qui suscite l'émotion des nouveaux propriétaires. Mais aussi celle de l'artisan, au moment ultime des premiers essais. 70 actions différentes ont été nécessaires pour créer cette selle. C'est une semaine de labeur à deux et de passion du travail bien fait. On va dire comment tu te sens par rapport aux jambes, on va déterminer à... Pour toutes les questions un peu techniques. Et c'est ainsi que se referme cette édition Code 24. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.